Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette rediff de live. Nous sommes actuellement le 5 décembre 2023 et il est 19h pile poil, l'heure de lancer le stream. Hop, parfait. Pile à l'heure, j'ai fait... Ouh, je suis pas encore habitué à cette chaise. C'est bon. Non, normalement je suis pas censé tomber en arrière. Mais ça fait un peu peur. Bonjour YouTube, on va jouer ce soir à un jeu qui fait peur qui s'appelle Welcome to Kowloon. Jeu d'horreur. Mais jeu d'horreur qui va faire crier très très fort. Est-ce qu'on est prêt? Merci StormEarth555, ça c'est très généreux de ta part. Tu as offert 11 subs, pas 10, pas 9, pas 12, 11 subs précisément. Très généreux de ta part. Merci pour les 11 heureux. Et parmi les 11, il y en a pour qui c'était le premier sub de leur vie. Ça c'est très cool. On peut dire que t'as été leur première fois? Non, parce que c'est un peu bizarre de dire ça. Bonjour YouTube, la rediffusion. Bonjour YouTube, le live. Bonjour Twitch, le live. Bonjour Twitch, la rediffusion. Il y en a dans les commentaires de la dernière rediff sur YouTube qui m'ont dit « Ah mais non, mais moi j'aime bien la rediff Twitch parce qu'il y a le chat et sur YouTube il n'y a pas le chat. » Eh ben, tu as raison. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai. Avoir le chat en direct avec le live, ça apporte un truc en plus. Je suis complètement d'accord. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé la dernière fois. Et ça m'arrive des fois quand je dois rechercher un endroit précis de mes rediffs. Des fois je reviens sur Twitch exprès parce que je suis curieux de voir quelles ont été les réactions du chat. Donc t'as 100% raison. Même si ce que j'ai dit sur le player YouTube était un peu vrai. Mais c'est vrai que l'expérience avec le chat sur Twitch est quand même 1000 fois au-dessus que d'être tout seul en rediff YouTube. C'est un autre débat. Dans tous les cas, vous avez tous raison. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour à tous, bonjour à toutes. Installez-vous et mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vais, de ce pas, lancer le jeu. J'espère qu'il n'aura pas de bug, j'espère qu'il n'aura pas de soucis, pas de problème. Welcome to Kowloon. Ça va faire peur. Hein. J'ai vu des images du jeu, les monstres qu'il y a dans ce jeu... Oh là là, il y a des petits couloirs, il y a des monstres qui prennent toute la taille du couloir, ça a l'air de faire super peur. J'ai peur d'avance. Mais je suis trop dans la hype des jeux d'horreur, là. Va falloir que Noël, il arrive vite, là, parce que il faut que je pense à autre chose. Je suis trop hypé par les jeux d'horreur. Est-ce que je suis fluide? Ça a l'air. Est-ce que là, c'est fluide? Oh putain, je te le dis d'avance. Oui, tu vas l'avoir, ton filtre de luminosité. Je te le dis d'avance. Là, je m'embête pas à me dire, oui, est-ce qu'il le faut, je vous le mets de suite. Voilà. Ah oui, mais regarde, là c'est noir et là on devine un peu mieux la couleur des briques marron. Et même déjà, rien qu'avec le filtre, je trouve que c'est pas assez. Il y avait quelqu'un là. J'ai pas rêvé, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un là encore, je l'ai vu. Oh putain, il y a du français. Alors ça, j'y croyais pas. Qualité, je vais me mettre en faible juste dans le doute, hein, parce que j'entends que mon PC il souffle. Et j'aime pas trop ça. Et bouge de l'appareil photo. Alors là. Je vais le laisser comme il était. Putain, c'est en français, putain, je suis refait, je pensais pas. Moi, les jeux d'horreur, j'accepte qu'ils soient pas en français parce que je me dis, bon, ça va, c'est que il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, je veux dire, on est là pour survivre, en gros, et puis voilà. Nouveau jeu. Ah, mais je peux jouer à la manette. Attendez, c'est incroyable. Mais bien que peut-être... Quoique, Non, j'ai envie de jouer clavier souris, peut-être. Quoique, je sais pas. Appuyez sur n'importe quel bouton pour continuer. Vous êtes prêts tout le monde? Vous êtes prêts le chat? À avoir très très peur, très la peur? Are you ready? Et c'était quelle année? 99 j'ai vu je crois. Et du son là, j'entends rien. Sous le ciel brumeux de la Chine se trouve Kowloon, la ville la plus peuplée où la pauvreté et la violence des gangs prospèrent. Le son est ultra faible par contre. J'ai mis en faible la résolution et le jeu a l'air super beau par contre. C'est un délire. Ah non, pardon, autant pour moi. Mais les bâtiments, c'était très, très détaillé, je trouve. Non, je vous confirme qu'on n'entend rien. Je vais pas appuyer sur échappe parce que ça va me skipper la cinématique. Cependant, pour un jeune étudiant, le premier souhait est de trouver un logement bon marché. Dès qu'on a accès au gameplay, vous inquiétez pas, je vais voir si dans les réglages, on peut augmenter le son. Ne soyez pas pressés, laissez-moi le temps de jouer. Oh, wow. Qu'est-ce qu'il attend à l'intérieur de ces murs? Ah, mais j'ai reçu un succès Steam parce que j'ai ouvert le jeu, quoi. J'ai saisi la ville. Fort bien. Le jeu joue tout seul, hein, ok. Moi, j'ai rien à faire pour l'instant. C'est lag, ça lag ou pas? C'est fluide chez vous? Ça a l'air d'être bien. Bon, on regarde le let's play apparemment, mais ça a l'air d'être plutôt fluide. Ah, mais je peux bouger la tête, par contre. Oula, il a pas trop aimé, là. J'ai bougé la tête un peu trop vite, je crois, pour lui. Ça va, c'est fluide pour vous? Ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Par contre, je peux reculer, mais le jeu avance tout seul. Ah, mais il y a peut-être une... Ah non, mais c'est peut-être une erreur, en fait, que le jeu avance tout seul. Ah oui, c'est ça, la blague.
C'était ça, c'était pas c'était pas une cinématique, c'était que le... Je suis bloqué. Ah oui, c'est ça, en fait, c'est c'est ma manette. Ok, d'accord. Bon. Moi, je croyais que c'était... ça faisait partie du jeu. Putain, je me serais laissé guider et tout. Ça me semblait tellement naturel, pourtant. Ah putain, je suis mort. Alors, on va augmenter juste un peu la sensibilité, s'il vous plaît, merci. À suivre. Oula. Mais vas-y, le jeu, là. Ah, vas-y, hé, joue à la manette. C'est... Le jeu, il veut pas que je joue à la manette, quoi. Il me fait bugger le truc. Hop, moins 2. Ouais, ça m'a l'air plutôt bien, ça. Ok, parfait. Bon, au niveau du son, on entend que dalle. Mais alors, rien du tout. Je vais vous l'augmenter à fond. Oh, mais j'ai trop peur. Là, je vous le mets à fond. Le son du jeu est à fond. Le son de OBS est à fond. Je peux pas faire mieux. Mais vous allez vous faire tuer, hein, quand il y aura un jumpscare. Je préfère vous prévenir. Vous allez vous faire défoncer. Là, le jeu ne me permet pas encore de juger si le son est fort ou pas. Mais dès qu'il va y avoir un jumpscare, vous êtes... C'est KO pour vous. C'est au revoir, comme dirait un youtubeur français. C'est au revoir. Alors, bonjour. Ça me rappelle un peu la cage d'escalier de... J'ai loué une chambre dans un appartement situé au 4ème étage. Ça me rappelle du coup beaucoup la cage d'escalier qu'il y avait dans le jeu From the Darkness, du coup, parce qu'on était aussi au 4ème étage, si je me souviens bien. Le jeu avait commencé comme ça. On peut se balader, hein. On va pas le faire. C'est quoi ça? Oh putain, j'ai trop peur de regarder chez quelqu'un, tu sais. Ah, mais je peux y aller. On dirait une petite chambre d'amis. J'ai trop peur de regarder chez quelqu'un et que d'un coup, il y a une tête qui apparaît, tu sais. Ouais, le jeu est plutôt beau, ouais. Il y a un petit bruit comme une sonnette. Donc ça, c'est le... Putain, j'ai cru qu'il était mort, le chien. C'est le 3ème étage, je crois. Ça pue un peu, là, le 3ème. Dommage pour le chien, il doit avoir faim. Ça va, le toutou? Wouf, wouf. Ah ouais, ça craignosse un peu. Oh putain, waouh. Les conduits, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un de debout, en fait. Donc je crois qu'on est au 4ème. D'accord. Ah oui, ça m'inspire pas du tout confiance. Mais je n'habitais jamais là. On vous dit, votre appart est ici. N'habitez jamais là. Ah, ça commence à me gratter la fesse. Signe que la peur arrive, au final. Oui, alors, un appart barricadé comme ça, c'est que sûrement qu'il y a une scène de meurtre. Donc n'habitez surtout pas là, en fait. C'est pas là. Donc c'est peut-être là, ma maison. Mon appart. Bonjour, bonjour. C'est chez moi. Voilà, ferme-toi vite. D'accord, donc là j'y ai pas accès. Apparemment depuis chez moi j'ai accès. Eh oh, ferme-toi. Non mais arrête là. Oh merde, d'accord, on peut pas fermer. C'était comment le bruit chez vous là? Ça va? Vous voulez pas que je vous passe le son maintenant un peu? Pas de regret? Mais vas-y, pourquoi je suis chez moi? Il y a des portes que je peux pas ouvrir. Ah mais c'est pas chez moi. Attends, je comprends pas. C'est une autre partie de... Je suis parti. J'ai laissé la clé au magasin. Elle est à l'extérieur, près de l'entrée. Vous avez compris, je suis bon pour redescendre. Putain, si j'avais su ça avant. Attends, je peux jouer comme ça? Je vais essayer de jouer comme ça. Ça me fait peur, ça, à chaque fois, ce gros câble. Oh! Alors, le chien, je compte sur toi pour me rassurer à chaque fois que j'aurai peur. Oh, t'es adorable. T'as l'air tellement gentil. Dommage que je puisse pas te caresser la tête. T'as l'air vraiment tout gentil comme tout. J'espère vraiment qu'il t'arrivera rien dans le jeu. Je veux pas. Moi, je veux pas qu'on fasse du mal aux animaux. Quand je remonte, j'espère que t'es encore là, parce que sinon, j'aurai plus peur. Cet endroit est dégoûtant. Ah, mais c'est maintenant que tu t'en rends compte. D'accord. Allô? Ok. Ouais, donc elle a dit dehors. Près de l'entrée, elle a dit. C'est ça? Alors, près de l'entrée. Et genre, tu laisses la clé comme ça, à la vue de tous. On peut crouch un peu, non?
doit être là-dedans. Dans une de ces... Ça peut pas être à la vue de tous en tout cas. C'est un peu vide là-bas. C'est-à-dire, c'est un indice pour me dire va là-bas, la clé est sûrement là-bas. Ah oui, elle avait parlé du magasin. Il semble qu'il s'agisse du magasin dont la proprio a parlé. Exact. La clé doit se trouver quelque part par ici. Ah oui, j'avais oublié qu'elle avait parlé d'un magasin, autant pour moi. Ah, allô ? Pourquoi il y a toujours des ventilos dans les jeux d'horreur ? C'est fou ça. Faut appuyer deux fois sur la porte pour l'ouvrir à chaque fois, tu sais. Elle dort là, la responsable du magasin ? Oh, la clé. La clé ! Hey ! On clé pas nous ? Hop ! Je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un debout au milieu du magasin pour me surprendre. Même pas, ok. Même les vêtements suspendus, ça arrive à me surprendre. Farod qui fait plus de jeux d'horreur à Noël au lieu d'Halloween. Ouais, c'est vrai. Farod qui fait plus de jeux d'horreur depuis 3 semaines que depuis 4 ans de stream d'affilée en fait. Mais je te dis là, je suis dans une vraie hype des jeux d'horreur, je sais pas pourquoi. Oh, non, me crache dessus, c'est dégueulasse, enfin. Ah, plein de gaz. Il y a encore ce petit bruit à chaque fois que je passe par là. Ok, le chien, il est là. Ça va le chien ? Oh non, il s'allonge. Désolé, j'ai rien donné à manger. Oh. Oh, waouh. Pouah, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais j'étais passé par là tout à l'heure. Et ? Quoi ? Mais... Oula, Oula! On va essayer de faire le tour par la cage d'escalier, je sais pas quoi là. Oula! C'est craignant c'est un peu là cette histoire. Oula! Bah oui, l'escalier rouge de sang. Oui! Oui, on va y aller! Bien sûr! Je suis à l'aise, hein. Pas de problème, hein. Oh, je vois rien. Oh putain. Oh putain. T'es sûr, hein? Putain, la porte qui se referme, ça me rend fou, ça. Et où qu'on est, là? Ah, mais on est à mon étage, ok. Ah, mais maintenant, j'ai accès à cette porte, ok. La porte à laquelle j'avais pas accès avant, d'accord. Voilà, il y a des petits freezes. Mais les petits freezes, ça sous-entend que le jeu, il charge un truc. Et donc, du coup, je me dis, ah, il y a peut-être le monstre qui va apparaître d'un coup. Du coup, c'est ouvert. Oh, mais les portes, elles sont trop chiantes. Pff, je vous le dis. J'assume mes propos. Trouver un nouveau logement. Eh ben, j'y suis. Trouver la lumière, peut-être. Y a pas un succès Steam pour ça aussi. Je ne vois rien. Y a rien sur le... Putain, y a rien sur la luminosité, par contre. Oh, c'est pourri chez moi. Oh non, c'est nul. Voici ma chambre. Oui. À chier. Je commencerai par laisser mes affaires sur le lit. Ça va, c'est cosy chez nous. C'est cosy, mais je te le laisse, hein. Oui, oui, c'est cosy. C'est cosy qui m'a dit. Oh, j'ai comme une envie de tasse de thé bien chaude. C'est cosy, m'a dit dans le chat. Je chiale. Ah oui, c'est cosy pour moi, pour les cafards. C'est cosy pour tout le monde. Je ne peux que supposer qu'il s'agisse de la chambre de la proprio. D'accord. Oui, c'est cosy, le frigo dans le couloir. C'est sûr que c'est très cosy, ça. La porte du balcon est fermée. Oh non, mais c'est une catastrophe. Mais c'est cosy, hein. En tout cas, ça, je te le fais pas dire. Qu'est-ce que... Il chauffe l'eau, là. Il chauffe Lola. Et là, toutes les Lola qui nous écoutent actuellement dans le chat, qui se sentent pas bien, là, d'un coup. C'est bon. J'ai chauffé l'eau là. Alors, églou. Le thé, il avait une couleur de chocolat chaud, c'est bizarre un peu, non? C'était la tea party, trop bien. Ah, c'est un... Waouh, j'ai embrassé une mouche là sans faire exprès. C'est un concept. Je pense qu'il est temps d'aller dans ma chambre. Oui? Pourquoi d'un coup il y a du bruit là? Enfin je... Eh oh! Ah, j'étais censé avoir peur du truc suspendu là?
Désolé, j'ai pas capté. J'ai peur. Ah. Voilà, peut-être un red flag. À partir du moment où tu rentres chez toi, il y a un papier qui dit j'ai peur. Red flag, je pense. Merci Toya pour les 200 bits. Merci Shylunx pour les 3 ans de resub. Bon anniversaire à toi. Merci Aria. 21 Aria pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. FV07, merci pour les 14 mois. Merci beaucoup. Kit Monkey D, merci pour les 7 mois de resub. Et Opération Noodle TV, merci pour les 17 mois. J'ai peur. Je veux rentrer à la maison. La vieille femme est devenue folle. Cela fait longtemps que je n'ai plus la possibilité d'aller au centre. D'aller à l'entrée. Waouh. Putain, j'invente des mots. Je suis très fort pour ça. Waouh. Mais en fait, la suspension des vêtements me terrifie. Quelle connerie. Mais ça vaut la peine de vérifier la porte d'entrée au cas où. C'est maintenant que ça va arriver. Alors, il n'y avait pas du tout ces chaussures-là. Je me souviens pas avoir vu ces chaussures-là. Et encore moins un loup. Oh 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 oh. Mais c'est vachement sécurisé ici, dites-moi. On dirait que la propriétaire est déjà rentrée chez elle et qu'elle a fermé l'appartement à clé. Ha. Idéal. Parfait. Je l'ai vu. Je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu, nous l'avons vu, vous l'avez vu, ils l'ont vu. Je retoquerai pas. Oh, j'avais pas vu. Ne vous avisez pas de sortir la nuit. Red flag encore une fois. Nous devons trouver une solution. Bah oui. Parce que t'es séquestré peut-être mec, oui. Le balcon est fermé. C'est ouvert ? C'est ouvert, hein ? Oh, sa mère, c'est ouvert. Ou alors, c'est un bug. Attends. Elle me regarde, là, dans l'encadrement de la porte, ou pas ? Mais, c'est quoi ce bruit ? Elle se douche ? Pourquoi il y a une tête suspendue, là ? C'est ça, sa chambre ? On va mourir. Là, on va se faire détruire. Préparez-vous. On va crever. Là, maintenant. La clé ne rentre pas. LOL ! C'est la clé du balcon, peut-être. Oh ! Oh ! Je vais me coucher. Je vais aller au lit, je vais pas me cacher, non ? J'ai plus accès à la porte. J'ai plus accès à la porte ni à la cuisine. Ouais, et ben je sais pas vous, mais moi le jeu il me met mal. Bon, elle était en train de se doucher. Mon coloc. Ah, bonjour, ça va? Ah, ça va toi? Beau paquet. Bouge pas la main, surtout. Bouge pas la main. Pour du coup. Y'a plus les portes qu'il y avait à droite et à gauche, pourquoi? Je lui piquer ses chaussures, ça lui fera les pieds. Ah ah, putain.
Il y a eu un truc là, non? Il s'est passé un truc. C'est bizarre parce que j'ai ouvert la salle de bain. Il y avait un mec qui était suspendu au plafond. J'ai cligné des yeux et on s'est retrouvé dans notre chambre là. Bizarre, il s'est passé quoi? Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que je viens de vivre un trauma et mon cerveau vient de le supprimer instantanément de ma mémoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Trop bizarre, non? Ouais, bon. Quel con ce jeu. Il m'a niqué. Il m'a vraiment niqué. J'ai peur. Mais oui, mais moi aussi j'ai peur. Hein. Il est où mon flingue? Enfin, on l'a pas. Hein. Mais allez, j'ai essayé de l'ouvrir, la porte elle était fermée. Et là d'un coup elle est ouverte. Mais oui, mais tous les... Et c'est et full noir. Hein. Il y a rien. Moi je vais vers la lumière. Et le jeu il sait comment je réfléchis. Il sait que je vais aller vers la lumière et pas dans le noir. Il est très fort. Il m'amène là où c'est rassurant. Je vais me faire tuer très facilement. Ah, ok. C'est peut-être le moment de gueuler. À l'aide! Au secours! Help me! Aidez-moi! Podemos! Je sais pas comment dire à l'aide en espagnol, donc je dis le seul mot qui existe, enfin que je connais. Ah, je vais dans l'appartement de mon voisin! Bah oui, mais c'est logique, enfin! Et bien sûr! Ah, mais c'est pas mieux! Oh, pff, il a chié sur le mur. Ok. Oh, d'accord. Eh, mais ça, je reconnais ça. Ça, c'est From the Darkness. C'est l'appartement de From the Darkness. Tu sais, il y a une bougie dans chaque salle, et puis on va croiser Shrek, on sera très bien. On sera très à l'aise. Bonjour, bonjour. Oh waouh, putain, je l'ai pris dans la gueule. Mais genre, je l'ai vécu, je l'ai subi. Vraiment, je l'ai pris comme un ta gueule. Non, mais vas-y, maintenant que je sais de quoi il est capable le jeu, genre un gros monstre qui me court dessus, un gros jumpscare vraiment, vraiment bâtard. Moi, j'appelle ça du jumpscare bâtard. Parce que ça te fait peur, t'as peur d'avoir peur, t'as pas peur du contexte, t'as pas peur de la pression ou quoi, t'as juste peur de te prendre un truc dans la gueule. Attends des secondes, j'ai les cheveux, c'est une catastrophe là. Ah non, ça va. Donc, ouais, maintenant je sais de quoi il est capable, ben, je me chie dessus. Je peux pas aller plus loin, d'accord. Mais je ne vois. Je ne vois rien. Ah, mais maintenant ça s'ouvre ici. Bah, en plus, le pire, c'est qu'ils sont capables de se TP, les monstres, en fait. Putain, le jeu, il a démarré depuis à peine 10 minutes, tu sais. Genre, on s'est déjà fait tuer 15 fois. Ouais, c'est ça qui me fait flipper, c'est qu'ils peuvent se TP. C'est pas genre, hey, je peux me protéger et tout. Non, ils peuvent se TP. Les choses sont bizarres en ville ces derniers temps. Je ne me sens pas en sécurité ici. Je dois finir les rénovations et déménager bientôt. Mais qui fait ça? Écrit des notes et se... Oh, c'est horrible, ça. Ça, c'est le pire bruit possible. Mec, c'est horrible ce que tu fais. Oui, qui c'est? Le coup de la porte qui se referme, c'est fait exprès pour te terrifier, ça. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Non mais là, un truc va passer, je vais m'avancer dans... Il va passer de gauche à droite, il va courir. Ok, j'ai eu tort. Ah! J'ai eu pas trop peur, mais un peu. C'était le petit... Ah, c'est pour la forme. Je stresse. C'est pas que j'ai peur, c'est que je stresse. Je stresse d'avoir peur. Je stresse de sursauter, là. Je sais que ça va arriver, c'est chiant, j'aime pas ça. Il faut une clé. Wesh, qu'est-ce que quoi? C'était quoi ce bruit énorme? Une planche en métal qui est tombée quelque part. Ah mais oui, c'est celle-là qui vient de tomber. Ça ding-dong. Mais ça, si c'est tombé, c'est-à-dire que quelqu'un vient de passer à côté. Je sais où est la porte d'entrée, mais quand même, je vérifie toute une par une. Attends, c'est... C'était pas ouvert, ça, avant? Attends, mais j'arrive plus à me repérer, là. Mais c'est crade ici, monsieur. Eh, c'est Shrek. Enfin, c'est le grand-père de Shrek, je pense. Waouh, très belle clé. Je vais me retourner, ça va être horrible.
je me suis spoil. Enfin, le jeu m'a spoil, j'ai pas eu peur parce qu'il y a eu le freeze. Et à l'instant même où je vois un freeze, je suis conditionné d'avance à savoir que le jeu prépare un truc en fait. Et donc là, je sais pas si vous l'avez vu parce que ça, du coup, à cause du freeze, on l'a un peu loupé. Il y avait quelqu'un à la porte et qui m'a regardé comme ça. Mais c'est tellement évident, tu prends la clé, tu te retournes, le mec est derrière. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, on en a fait des jeux d'horreur, on connaît un peu quoi. Il y a un mec pendu avec un gros kiki qui fait le pipi. C'est pff, là, wow, quand je suis stressé, mais il y a des trucs qui sortent de ma bouche. Ça n'a, enfin, je suis pas très fier quoi. Alors, oh, oh oui, belle. Oh, ah non, pas très belle. Oh, c'est bizarre la façon de... Hein? Wow, c'est bizarre la façon de... Wow! D'accord, ok. La façon de jouer et de... De mettre la... Non, mais elle vaut rien, ta lampe torche, là, monsieur. Merci le frigo, heureusement que t'es là, t'es un pote. Hein? Hein? Oh! Ah, mais... Waouh! Il écrit waouh, W-O... Ah non. Ah, mais chaque tableau, il y a une lettre. 4A, vous en souviendrez ou pas? M'aider à retenir, je compte sur vous. Ah, j'avais pas vu venir le coup du tableau. 2E. M-E-M-A. M'aider à retenir, je compte sur vous. Hein. J'ai pas peur, c'est faux. Et le mec suspendu n'est plus là. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je cherche du tableau. C'est vachement... Vachement étroit ici. Les premiers, j'ai pas peur. Ah oh, un tableau. Étonnamment, quand je vais le prendre, il va se passer quelque chose. Wow! Mais non! Mais non! Mais t'as beau le savoir, j'ai beau dire, hein, je vais prendre le tableau, il va se passer quelque chose, t'as beau le savoir, tu es mort. Tu te fais détruire. D-E quelque chose, A quelque chose. C'est en 4 lettres ou en 5 lettres? D-E. Et ici c'est le A. Et après, je sais pas encore. Et voilà, j'ai peur, je rote. À chaque fois ça fait le coup. Hein. À chaque fois que j'ai peur, je lâche des rots. Putain, les yeux, mais les yeux, mais ça, c'est vraiment, ça n'a aucun sens, c'est juste gratuit pour t'effrayer. C'est vraiment un jeu, c'est juste un jeu de jumpscare. C'est juste un jeu bâtard sur les jumpscares. Okay. Oui, vous voulez que je vous ouvre? Mais c'est les chiottes. Bonjour. Pas de tableau par contre. Oh putain, j'ai esquivé. Attention. Le C. D. E-C-A. On peut deviner le mot, tu crois? D-K. Merde. Dépêche-toi d'ouvrir. Oh. Oh. Oh non. Oh non. Oh non, mais je m'approche pas de ça. Ouais. D'accord. Et là, le dernier tableau est là, j'ai trop peur. Oh putain, c'est le tableau du grand-père de Shrek. J'ai trop peur. Ah! Ah! D-E-C-A-Y, ça fait... Decay. Décès! Décès! Le décès! On va mourir, on est tous morts! On est décédés! Ah! Ah! On va se prendre un jumpscare, je le sais! Non! Ah! Je dois me retourner. Mais non, c'était pas là en plus. Putain, quel con. C'est pas là-bas qu'il fallait que j'aille. Ouais, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a une fiesta des cafards là-bas. C'était là-dedans, je crois. Ouais, c'était là-dedans.
Oula. Oh putain, j'ai même pas eu le temps de valider. Je voulais me préparer à l'avance en fait, en mode allez, prépare-toi, ça va faire peur. Ok, on y va direct. Mais con de porte! Mais lol, mais bien sûr qu'il va se TP dans une salle aussi petite, évidemment. Je suis désolé d'avance, les modos! C'est les pieds des bichets! C'est les pieds des bichets! Incroyable! Les pieds des bichets! Il est juste là! Il nous attendait! Les pieds des bichets! C'est les retours des pieds des bichets! Ah! Ne bannissez pas le mot. Pied des bichets, les modos, s'il vous plaît. C'est le pied des bichets. C'est le pied des bichets. Pied des bichets. Let's go. Wouh! Pour taper fort. Comment je m'en sers? Je sais pas. Ah! C'est la porte avec le bois. Non, mais j'ai récupéré une arme. Évidemment que je vais me manger un jumpscare maintenant. Bien, il va me courir. Il va me courir dessus, c'est sûr. Putain, les clics-clacs là. Ils m'ont mis mal, hein. Oh, je suis en stress. On sort du bâtiment là. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Si, c'est ça? Ah, si, c'est ça. Après, il y avait l'escalier qui était bouché, hein. Rappelez-vous. Ouh, j'ai failli m'approcher pour regarder les deux points blancs. Il y a des yeux qui me regardent au fond de la salle. J'y vais pas. Ah, mais je suis obligé d'y aller. On dirait vraiment l'entrée de l'appart de From the Darkness. Il y a deux yeux qui me regardent au fond. On peut s'arrêter là après, hein. Le jeu était bien. Le jeu était cool, c'était pas mal. Il y a eu le pied des bichets et tout, c'était marrant. Pas des yeux, c'était des lumières. Mais maintenant que j'ai vu des lumières, je suis rassuré. Donc je vais avancer sereinement et c'est là que je vais me prendre le jumpscare dans la gueule et qu'il va popper devant moi, c'est sûr. Et même si j'en suis sûr à 1000%, même si je suis préparé, j'aurai quand même peur en fait, parce que ça va faire un bruit énorme. Et je sais, j'ai pas envie de ça. Mais il est horrible votre jeu. Parce que le. Ben non, parce que je sais que ça peut arriver à tout moment. Et j'aime pas les jumpscares gratuits. Non, le couloir est trop long. Ta gueule. Ta gueule. Il faut courir! Ah! Oh! D'accord! Ah, je préfère les séquences de game. Oh, wesh! Oh, ah, allô? Attends, je comprends pas. Wow! Je comprends pas où est-ce que je dois aller! C'est bon? Oh, c'était horrible! J'allais dire, je préfère les moments de gameplay comme ça parce que du coup, il n'y a pas de jumpscare qui. C'était trop dur pour se repérer. Oh, 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 il n'y a code 5913, il n'y a pas d'issue 5913. Ah. Ah putain. Tu me fais trop peur.
Si on a eu deux pour le prix d'un, c'est génial. Ah, je suis ravi. Hein. Allez, j'y retourne, hein, parce que c'était trop bien. Attends, mais c'est quoi en vrai? Mais quoi? C'est quoi ça? J'ai déjà oublié le code. C'est quoi déjà? 53... 59 13. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'y retournerai pas. LOL. Genre, il m'offrait la possibilité d'y retourner. Allô? Oui. Mais du coup, je me suis fait attraper. Maintenant, je suis dans la rue, je dois trouver mon chemin pour quitter la ville. Je me suis fait choper par le monstre. Et, pourtant... Il y a eu le freeze. Il y a eu le freeze, donc il va... Il y a eu le freeze, alors il va apparaître, c'est sûr, maintenant. Ou pas. Ou peut-être pas. Oula. Hein? C'est un téléphone ou... Je reprends mon souffle parce que... Oh merde. Oh, ça se joue tout seul. Et voilà la sortie. Ah, j'avais pas vu. J'allais aller dans le truc tout sombre. Mais nous devons trouver quelque chose pour couper ces chaînes. T'as la lampe torche? Elle est où? Mais mec, t'es sérieux là? Mais j'y vais. Allez, j'y vais. Mais non, je peux pas y aller. What? Ah, ça a chargé. Pourquoi je m'approche du coin du mur et j'ai la lampe torche d'un coup? Il y a une cinématique pour me dire que je l'ai. Il est trop bizarre votre jeu. Ah mais il y avait une porte. Ah mais elle est pas ouvrable. Putain mais je comprends rien. Il y a quelque chose mais je n'ai pas d'argent. C'est quoi? Oh c'est un switch. C'est un bouton d'interrupteur qu'il faudra placer quelque part. On y montera après, hein, d'accord? D'accord, on y montera maintenant, d'accord? 59-13, c'est ça? Les numéros? Vous me le confirmez? Parce que je sens que je vais devoir les... Je sens que je vais devoir les mettre dans la panique. 59-13, ok. Oh, me fais jamais ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. L'ascenseur ne fonctionne pas. Le générateur n'a plus de gaz et le levier de démarrage est cassé. Alors il faut mettre du gaz et trouver le levier de démarrage qu'on a trouvé, donc il me faut des pièces. J'ai trop peur, 59-13. Maintenant, où dois-je chercher l'effet de levier et de l'essence? Bon, le levier on sait où il est, mais il me faut des sous. Il faut des petites pièces. Faut que je trouve de la thune quelque part. Oh non, putain, il y avait une main. Mes saloperies va. Y'a pas des sous là? Mais vas-y, y'a aucune porte qui s'ouvre, mec, sérieux? Mais je les trouve comment, moi, les sous et l'essence? Peut-être que ça s'est ouvert en bas maintenant. En face, là, peut-être maintenant on peut y aller. Non, on peut pas. Eh, hey, il est chaud votre jeu. Allô? T'as pas idée à quel point je transpire, hein? Peut-être qu'il y a une autre porte qui est ouverte quelque part. Alors, attends. Celle-là, elle était pas ouverte avant? Non, elle était pas du tout ouverte. Oh non, les chiottes. Ah non, c'est pas les chiottes. Bonjour. En fait, à partir du moment où je prends la note, ça lance le script et potentiellement il y a le monstre. C'est pour ça, peut-être qu'il faut que je prenne d'abord le temps un peu de regarder autour, tu sais, de vérifier. Y a rien. Bon.
Allez. Je vais te montrer quelque chose. Regarde sous le rocher, près de la balançoire. Mais c'est qui écrit ça? C'est le monstre qui écrit ça, non? Il écrit bien. Vous vous souvenez d'une balançoire, vous? Vous avez souvenir d'une balançoire? 59-13, c'est ça? Mais c'est ça, à chaque fois que je prends un script, enfin, à chaque fois que je lis un papier ou quoi, et forcément, le jeu, il est trop marrant. Ah, d'accord. Il avait dit la balançoire, c'est ça? Parce que c'était pas le dessin d'une balançoire, mais c'est ça, la balançoire, finalement. Ah, mais il y a ça, on peut appeler ça une balançoire aussi, peut-être, je crois, je sais pas. Ah oui, le rocher est là, au sol, je le vois. Wesh, quoi? Ah, mais il y a quelqu'un là-haut. Eh oh! Eh oh! À l'aide! Et arrête de m'envoyer tes poubelles dessus, c'est pas cool. Ah, et maintenant, dans le frigo rouge. Qui se joue de moi, hein, d'accord? Il est en train de jouer avec mes nerfs. Eh ben, ça marche, sache-le. Vous vous souvenez d'un frigo rouge, vous? Et là-bas, j'y suis allé? Non, je crois pas. Ouais, ça a l'air rassurant. Un frigo rouge, vous vous rappelez d'un frigo rouge, vous? Moi, le seul frigo, c'est que je... Ah ben, d'accord, je l'avais juste pas encore vu. Ah oui, il est... Non, mais il y a un vibreur là-dedans. Il y a quelqu'un en train de téléphoner au frigo, c'est pas possible. Putain, enculé de jeu. Avez-vous vu le tissu rose dans la cour? Voulez-vous voir ce qu'il y a derrière? Le tissu... Attention. Mais oui, mais c'est... Eh non, mais là, par contre, ça commence à être un petit peu... facile, non? Je vais aller là où t'étais. Le tissu rose dans la cour. Oh putain, je vais pas aller là-bas. Ok. Vous vous rappelez d'un tissu rose, ça vous parle, ça? Pourquoi ça a l'air d'être fermé? C'était pas fermé avant? Ou alors je suis perdu, complet. Ou alors c'était pas par là? Je sais plus où je suis. Le tissu rose. Attends, non, on est d'accord qu'il y a un... C'est fermé, c'était pas censé être fermé, ça. Oui, c'est là où t'as dit que tu voulais pas aller. Mais ça, c'est depuis le début du jeu que je dis ça, en fait. Bah, la cour, c'est censé être ça, j'imagine, la cour. Et il y avait un tissu rose ici. C'est vachement sombre. Hello! Belle moustache. Ah, c'est ça qu'on appelle le tissu rose? Ah, d'accord. Mais tissu à fleurs, peut-être. Et donc, il y a quoi derrière? Une porte. Oh, il y a la photo du chien. Bon. Une photo d'une Lolita. Des chevaux, des chats, des penguins. Waouh, et tu veux pas écrire plus petit, s'il te plaît? Mon sanctuaire est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Je me suis caché ici de... Putain, je... Attends, deux secondes. C'est vraiment juste pour vérifier un truc. Ne bug pas le jeu. Oh, des sous, très bien. Ah voilà, ok, non mais parce que vraiment, je... c'était catastrophique. Mon sanctuaire est magnifique, n'est-ce pas? Je me suis caché ici de toute l'horreur qui commençait à m'arriver dans ma famille et dans tout le village. Et c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus âme qui vive à Kowloon. Vous aurez besoin de cette pièce. Bon, pour pas faire bugger trop le jeu, on va rester en faible, d'accord? Donc... Ah mais attends, on peut mieux voir l'image du chien. On peut voir le chien en... On voit le chien en HD. On voit la Lolita Girl animée en HD aussi. Girl Power ou quoi, là? Voilà, le jeu a frisé. Hein. T'as compris ce qui va se passer, hein. T'es prêt? Bon, allons au distributeur très vite. Oui, c'est à gauche. Mais c'était là, on est d'accord, hein. Je suis pas dingue. C'est fermé. Avant c'était pas fermé, maintenant c'est fermé. Attends, c'était un cafard? Ah non, c'était une ombre peut-être. Mais monsieur,
Je peux pas appeler à l'aide, la police, je sais pas, non? Personne n'y a pensé avant? Ok. J'ai l'impression qu'il manque des portes. Non mais ça me terrifie cet endroit. Chut! Tu te tais! Oula, c'est ouvert ça! C'était pas ouvert ça avant. Ah! Ok, je vois très bien où on est. Ok, elle voit très bien où on est. Oui mais je suis désolé, moi je dois aller au distributeur. Nick! Je lui ai fait peur, lol. $59.13, hein, c'est ça? On est bon là-dessus? Oui, pourquoi je peux pas le... Allô? Ah, là, ok. Mais j'ai pas l'essence encore. C'était là, hein. Je crois que c'est là. Attends, je suis jamais venu là. Oh non. Oh non, à l'aide. C'est grave. Ma petite fille s'est enfuie de la maison. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ma femme n'est pas sortie de la baignoire depuis 3 jours. Tout le monde autour de moi est fou. Je ne sais pas quoi faire. Ce gaz qui s'échappe des tuyaux. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Je pense que tout est de sa faute. À l'aide. 59.13. Oh, c'est terrifiant. Chut, arrête! Oh! La lumière! Non mais c'est le pire truc du jeu ça. Ils veulent nous expulser de notre quartier. Le gouvernement cache le toit que nous sommes en train... Le fait! Il cache le fait! Il cache le toit que nous sommes en train de mourir ici. Mais je peux vous aider, hein. Mais me tuez pas quoi. Arrêtez de me faire peur juste, s'il vous plaît. Et voici un bon bidon d'essence. Ta gueule, où ça? Oh, ta gueule, où ça? Ah oui, là, d'accord, ça se tient. Faut que je redescende, d'accord. Allez, j'ai l'essence, j'ai la manivelle. On est bon là, non? Ça devrait le faire. Et après, il y a la sortie, on se casse et tout le monde va se coucher. Hein. Chut! Ta gueule! Non, ta gueule! C'est pas ouvert ça? Non. Ta gueule! Non! Je ne veux pas le savoir! Le truc, c'est que je sais plus du tout où est-ce que je dois amener les machins. Je crois que c'était une porte à droite. Je crois que c'était là. C'était là et c'était. Dédicace à toutes les Stella qui nous écoutent, évidemment. C'était là et c'était en haut, hein, parce qu'en bas, ça a toujours été fermé. Vous pouvez pas mettre le jeu plus sombre, s'il te plaît, merci. Je sais plus où c'était. Ça va arriver. Hein. Ta gueule. Et c'est censé faire quoi? L'ascenseur, c'est ça? Mais pourquoi l'ascenseur? Oh! Oh, j'ai des frissons juste dans la jambe droite, c'est génial. Ok, maintenant qu'il y a eu un jumpscare, je sais que je suis 10. Je sais que je suis tranquille pendant au moins 10 secondes là. Ouais, j'ai fait Mickey Mouse, quelle honte! Oh! Oh non! Oh, bonjour les amis, ça va? Oh! Oh putain, sa mère! Oh! Et c'est pas pourquoi avoir accès à l'ascenseur subitement me permettra de couper des chaînes, je veux dire, ça sert à rien. Vers les étoiles. Ouais, bah saute. Je sais pas, moi, à un moment donné, saute, je sais pas, réfléchis, fais un choix. Assume, t'es mort, voilà, c'est bon. Let's go, la pince. Vous la voyez la pince là? Est-ce que vous la voyez assez bien? Je sais pas, je suis pas sûr que vous la voyez assez bien là. C'est bon?
Il sera derrière moi. Il est pas derrière moi. On ne voit rien. Oh, j'ai eu trop peur, putain. C'est le pire truc, hein, ils arrivent dans les couloirs. Là, il va pouper dans l'ascenseur, bien sûr. Oh, j'ai peur. Bon, là, c'est dernière ligne droite, les gars, je crois. C'est là, puis à gauche. Hein. Sympa, le bâtiment. Ouais. Non, parce que je me réfléchissais, je cherchais un appart en ce moment. C'est là, c'est à gauche. On coupe la pince. Enfin, on coupe la chaîne et... T'es gentil, hein. J'ai jamais été méchant avec toi. T'es très souriant. T'es beaucoup trop souriant, en fait. Tu me fais un peu peur, j'avoue. Waouh, j'aime pas comment tu... Waouh, j'aime pas ce que tu fais. Waouh, vous êtes trop forts les développeurs pour faire des trucs flippants avec les animaux. Ok, d'accord. Ok, j'avoue c'est flippant. J'avoue c'est flippant. Je me casse. Il m'a pas suivi. En fait, peut-être qu'il m'aurait pu me... Enfin, peut-être qu'il aurait pu me protéger et tout, tu sais. Enfin, il avait pas... Ah, ok. Ça, c'est bien. Oh non, ouais. Qui c'est? Oula. Oula. Ça sent pas bon cette histoire. Oula, oula. Oula, mais en fait. Vous êtes plus en vie, quoi. Mais ouais, le gaz là, il les a tous. Ils ont tous été. Ah ouais, c'est chaud ce qui s'est passé avec le gaz. Et comme quoi, il faut arrêter de péter, les gars. Vraiment, hein, stop. Hein. Je peux plus courir. Oh putain, la blague. Oh waouh. Oh, ça c'est flippant ça. J'ai croisé ton frère tout à l'heure, toi. On va en avoir un dernier, je pense. Pour conclure le jeu, un petit dernier jumpscare, je pense, non? Il n'y en a pas un qui va sauter à ma fenêtre Ah non, tu vois. Il n'y en a pas un à l'arrière de ma voiture, dans mon rétro, à côté de moi. Mais... Et genre, moi j'ai dit, je veux un appart là-dedans. Parce qu'à la base, c'était juste, je cherchais un appart, hein. Et de moi-même, intentionnellement, je suis allé là-bas et je me suis dit, ouais, il y aura un appart pour moi là-bas. C'est pas très cher. Pourquoi je suis aussi haut? Je suis pendu. Je me suis suicidé, très bien. Récemment, la police a reçu de nombreux rapports de personnes s'étant rendues à Kowloon. Ils disent avoir vu une ville qui n'existe pas. La ville fortifiée de Kowloon, démolie il y a 5 ans, était l'une des pires villes de Chine. Peu avant la démolition, le quartier avait connu une recrudescence de la criminalité et des homicides injustifiables. Nombreux sont ceux qui pensent que le gouvernement était prêt à tout pour démolir Kowloon. Fils de pute, le jeu. T'es une merde. T'es une merde. T'es nul de baser tout ton stress sur les jumpscares gratuits comme ça. Tu es nul. Tu es nul. Nul. Developer of the game. You are like this, ok? I dislike you, ok? Comment niquer tout ton jeu à la fin? Oh! Après, c'est moi, hein? C'est moi, c'est mes goûts, et j'ai toujours tendance à dire que les jeux où il y a des jumpscares gratuits, c'est vraiment trop facile de faire peur comme ça, tu sais, c'est genre... Le jeu était bien, alors le 59-13, je sais pas. Mais le jeu était bien, mais il y avait que ça en fait. Il y avait que des jumpscares
Le jeu était joli quand même. Il y avait que des jumpscares quoi. Il y avait pas le, tu sais, l'oppression, le stress, les trucs comme ça. Ouais, parce que, ça fait que 3 semaines que j'ai commencé les jeux d'horreur dans ma vie, mais t'inquiète pas que je commence à être habitué maintenant. Et je commence à être critique aussi. Mais là. Bon, je me suis un peu chié dessus, on va pas se mentir. Mais. Mais le 5913, peut-être qu'ils se sont foutus de ma gueule en mode. Ça m'a obligé à le garder en tête et à stresser, à ne pas l'oublier. Pour qu'au final, on ne le demande pas du tout. Ou alors, il y avait quelque part un coffre-fort, mais j'en ai pas vu, hein. J'ai pas vu un truc qui me demandait un code à un moment donné. Et puis, de toute façon, c'était le code pour sortir. Et je suis sorti. Dans tous les cas. Alors, peut-être que c'est un. C'est un. Tu crois que c'est un oubli du développeur? C'est sur la machine à item? Sur la machine à item? C'est quoi la machine à item? Oui, le jeu est fini, hein. J'avais dit que le jeu durait 1 heure. On l'aura fait en 56 minutes. 57. Je l'avais dit, hein. J'avais dit que le jeu était pas très très long. Là où il y avait le levier. Ah! Ah, tu crois qu'il y avait un code pour actionner la machine, mais ils me l'ont. Ça s'est fait automatiquement peut-être? Le développeur, il s'est dit flemme, il s'est dit, allez, je mets des petits mystères, mais flemme. On fera une mise à jour dans 10 ans, peut-être. Ou alors c'est un code qui sera utilisé dans l'opus 2, s'il y a un opus 2. Mais voilà, bah écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah ça m'a saoulé d'avoir peur gratuitement, quoi. J'aime les jeux qui font peur, mais j'aime pas les jeux qui te font avoir peur de la peur. Qui te font. Les jeux qui t'habituent à te manger jumpscare sur jumpscare sur jumpscare gratuitement et que ça n'influence rien dans le jeu, c'est juste, juste pour te faire sursauter. C'est pas mon type de jeu d'horreur à moi, on va dire. J'ai pas de type de jeu d'horreur à moi. Parce que les jeux gore, je supporte encore moins ça. Mais bah si, tu peux faire ça, mais en mettant une meilleure ambiance. Je sais pas. Là, en fait, à partir d'un moment dans le jeu, je savais que je ne pouvais pas mourir. C'était pas un genre de jeu où tu mourrais. Sauf le coup de la course-poursuite, peut-être. Mais. En fait, je me sentais pas en danger. Là où, tu vois, From the Darkness, je me sentais en danger, en mode je veux pas me faire choper et tout, j'ai peur. Là, en mode, j'étais juste en mode, bah vas-y, envoie ton jumpscare, de toute façon, moi, il faut que je continue à tracer tout droit. Donc, tu m'as mis des couloirs, tu m'as mis des scripts, je passe cet endroit-là, je me prends le jumpscare, c'est bien, je fais ma mission, je finis le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu le ressens trop que c'est juste un jeu à couloirs qui fait peur. Il y a des jeux où tu le ressens moins, et bah, ces jeux-là sont mieux. Donc, c'était pas. Ça faisait peur, mais c'était pas incroyable. Bah, on peut pas avoir tout le temps que des jeux incroyables. Mais si vous voulez des jeux incroyables, peut-être que dimanche, puisque dimanche nous allons jouer à Karaoke, The Karaoke, du même créateur que Night Security et que Parasocial qu'on a fait dimanche dernier, et peut-être que ça fera un petit peu plus peur. Voilà, rendez-vous dimanche. J'ai peur d'avance, j'ai peur déjà. Je vais couper la rediffusion là pour YouTube. Au revoir YouTube, à bientôt. Bye bye.